Bon, à glou-glou, t'as glou-glou. Alors, pourquoi est-ce que je mette l'essence aujourd'hui? Bah, tout simplement, on va aller à une petite brocante qui n'est pas loin. On va mettre 20 euros. Hein. On va arrondir en vrai. Je mets jamais 20, je suis radin. Allez, on va essayer de ne pas dépasser. Hein? Ouah! En fait, pas grave. C'est rare quand je mets 20. Hein. Mais. Voilà. Je vais aller à brocante de place de Eusse à Soumagne. Il y a une brocante Eusse, ouais, je le dis comme ça, je le dis bien. Je le dis bien, je ne sais plus. Enfin, soit. Bon, je vais aller voir si la brocante est bien, s'il y a des jouets ou pas. J'ai pris un peu de l'argent, on verra, ou si c'est une brocante qui n'est pas terrible, voilà. Je suis nouveau là-dedans, donc voilà, on verra bien. Je ne connais pas les bonnes brocantes et tout ça, hormis celles qui sont en France, c'est bien, c'est là qu'on trouve le plus de jouets. Mais j'ai pas une tête à me taper 400 km aller, 400 retours. Hein. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de claquer l'argent dans le vide pour rien. Hein. Bon, allez, on y va, go go go. Bon, apparemment, la brocante commence à partir d'ici. Donc, on va aller et puis on verra ce qu'il y a. Ça va? Et puis, on va voir si c'est naze ou si c'est bien. On va le déplacer mobile ici. Ouais. Les bad boys. Ouais, plus de nouveaux. Et style Volvo. Ah, plus des vêtements qu'autre chose. Pas celui qui veut un lit, 60 euros. Hein. Ah, 25 euros, il m'a l'air un peu cher, cet ancien circuit là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a l'air cher. Hein. Ah ouais, voilà vieux bleu. Avec ses boules et tout ça. Beaucoup de postures et tout ça. Ah, ça c'est pas mal ça. Ne pas toucher la sculpture, elle est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez en acier. Mal des boîtes. Il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a pas grand chose dans mon ce que j'aime bien. Hein. Ça c'est un truc. Je pensais qu'il y aurait plus de jouets par contre. Pourtant, il y a des belles baraques. Donc, on devrait avoir des beaux anciens jouets, mais. Non, bizarre. Le chondron d'Obélix, elle est énorme hein, quand même. Des bidons, beaucoup de trucs pour l'armée. Mais c'est pas encore ça. Hein. Le volant. C'est vraiment pas ce que je recherche. Hein. On va voir. Et bien autre chose. Hein. Vous voyez, c'est pas trop. Ce que je recherche. Les Dinky Toy. 20 euros. Les Magic Box. Magic Matchbox, pardon. Ah, c'est pas encore ça. Bon, allez, on continue. Ah, il y a un paquet, hein. Trop les jouets modernes. On va voir. Ah.
Ouais, mais non, c'est pas encore ça. C'est jamais un robot ou quoi. Non, pas du vintage. Pas du vintage. Je pensais, mais ça ne l'est pas. À part les motos ici, peut-être. Je sais pas. N'oublie pas, deux formats de vidéo. Ça, c'est plus discret. Et puis voilà. Non, pas. C'est jamais des motus ou autre, mais y a pas. Réédition. Ah, c'est des rééditions. Ouais. Beaucoup de rééditions. Mais aussi, bah, la boîte ne serait pas été les vraies. Ah ouais, vous comprenez bien, des rééditions, ça, on va en trouver. Hein. Mais les véritables, ouais, des jeux de société, des Kaamelott. Voilà, vous voyez. Rien de terrible. Il y a des belles maisons, des belles maisons de luxe, mais bon voilà, c'est plus leur vieux bazar qui balaye quoi, devant leur porte on va dire, comme on dit. Hein. Vous voyez beaucoup de d'outils, des bric-à-brac quoi. Ouais, plus c'est le bric-à-brac des gens. Vous pouvez commenter, ça fait toujours plaisir. Partagez le reste hein. Et surtout abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Bon allez, on continue, on va voir ce qu'il y a, mais voilà, c'est pas terrible hein. C'est pas celle qu'on attend plus hein. Ça, mais je vous dis, c'est pas terrible pour le moment, vraiment pas. Quelques jouets vieux mais pas terrible. Oui, ouais, ça c'est vrai. Donc ça c'était plus un fan de Pokémon. Bon allez, on continue. Ah, des Playmobil, ça change un peu. Ah ouais, les prix c'est quand même élevé. Mais bon, c'est des Playmobil hein. Allez, on continue. On va pas s'arrêter sur des Playmobil, les bazarres ici. Hein. On cherche de la Game Boy en boîte ou autre. Des choses intéressantes, quoi. Bon, celui qui veut des nouveaux articles, ben, il vient dans des petites brocantes pareilles. Parce que là, ouais. Ah, j'arrive pas à trouver mon bonheur. Hein. C'est pas comme tant plus. Ou là, j'ai déconné. J'aurais dû prendre beaucoup plus. Oui, c'est pas encore ouf. Hein. Ah bon, il faut les faire hein, pour savoir l'expérience. Hein. Ça après, ben, je sais qu'ici, je reviens plus quoi. Donc voilà. Je sais que voilà, c'est pas une brocante intéressante pour moi à faire ou autre. Même si, voilà quoi. Hein. Ah, plus des petites vieilles voitures qu'autre chose quoi. De grenier quoi, comme on dit, avec quelques exposants pour les chics et tout ça quoi. Une ambiance cool, une ambiance cool et chaleureuse quand même hein. Ah lui, il a les abdos comme on dit, c'est faux avec ce t-shirt. Bon allez, on continue. Et en plus, ça se passe en plus. Oh, des trucs de fête foraine qu'autre chose, la brocante. Donc c'est moitié brocante, moitié fête foraine, comme on dit. Alors, au moins, il y a de l'ambiance dans ce quartier ici, quoi. Ça change, hein. Bon, droite-gauche. Ouais, je crois gauche. Ou droite, ou gauche, droite-gauche. Ouais, je crois de gauche.
Le circuit, manette. Mais pas au cours ce que je veux. Comme ça. Ah ouais. Mais bon. Tourne à la voiture. Il y a une autre braderie. Brocotte, pardon. Il y a une braderie et brocotte qui font les deux. C'est à Warem. Et elle est pour le moment avec dégustation et tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai hésité à y aller parce que c'est quand même à l'opposé de d'où je suis, quoi. Donc il faut repartir dans l'autre sens complètement, revenir chez moi et puis repartir à Warem. Donc ça fait des kilomètres quand même. Je vais garder mon essence et pas faire trop de kilomètres parce que ici à la fin de, enfin, pour la semaine prochaine, il y a un rassemblement de voitures américaines pas loin de la maison. Donc je pense que je vais y aller. Donc ouais, je préfère faire ça. Ouais, on va faire comme ça. En plus, le temps se couvre un peu. Il va pas pleuvoir, mais bon, voilà quoi. C'est pas bon. Ben ici, c'est une grande brocotte quand même sur trois rues, mais voilà, c'est plus des objets vraiment leur bric-à-brac qui reste dans la cave ou dans le grenier. Mais voilà, rien d'intéressant. Ils ont pas, à mon avis, ils devaient pas acheter beaucoup de jouets ici. À mon avis, c'est pas. À mon avis, c'est des maisons bien aisées, tout ça. Ils envoyaient leurs enfants au pensionnat, donc ils avaient pas de jouets, à mon avis. Ça doit être comme ça. Allez, on va à la voiture, on continue et on fera un débrief alors, comme d'habitude. Bon, petit débrief comme ça, à chaud. La brocante était grande. Beaucoup de vêtements, des jouets récents. Les voitures, il y avait quelques voitures anciennes, mais vraiment c'était à mon avis ce qui restait de leur grenier, quoi, de leurs jouets d'enfance qu'ils ne savent plus quoi en faire. Ça m'intéresse pas trop. Vous avez vu, certains, il y avait 2-3 consoles qui m'avaient l'air potable, mais c'était déjà un peu bizarre. Je pense pas que je leur ai demandé si ça fonctionnait, ils me disent, oh, c'est pas, on les a pas fait aller. Et bon, voilà, résultat, bah, ils étaient là, ils sont dit, c'est un quartier qui est un peu bourgeois, donc on va mettre les prix un peu haut. Et eux, ils mettaient les consoles pour ce que c'était, plate, gratte et tout ça. Oui, il y avait deux intéressantes, mais le prix était élevé, quoi. Donc voilà, donc quand je dis le prix élevé, je pense, sans la boîte, sans rien, ils étaient à 180 €. Il y en a qui a dit, les 8 pour 170, je pense que ça valait pas trop. Je pense, c'est que ça va pas être la peine, donc voilà quoi. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Il y aura, comme je vous l'ai dit, il y aura rassemblement de voitures américaines. Je sais pas si je vais y aller. Ça m'intéresse, c'est pas loin de la maison. Ça fait un vlog en même temps. Ça vous passionnera peut-être aussi. À voir, on ne sait jamais. voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai personne qui veut m'envoyer quelque chose pour tester. Ça, c'est chiant. Donc, je peux pas vous présenter des vélos. Je peux pas vous présenter des trottinettes. Donc, je fais les brocantes. Voilà. Comme ça, au moins, ça change. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est un nouveau passe-temps. Je m'égare. Là, où est-ce que je vais? J'adore. Par contre, c'est un peu chiant de le faire tout seul. Je vous l'avoue. C'est un peu chiant. Mais on fait avec. Hein. On fait avec. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, surtout abonnez-vous et mettez des coms, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, ça fait plaisir, bien comme mal, voilà, il n'y a pas de souci. Allez, bye bye.